Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc du modèle de données et surtout, on va faire un petit focus sur l'enrichissement. Juste avant de commencer, en quelques mots, je suis Florian Riepé, donc Product Manager chez AT Internet et je m'occupe notamment de toute la partie processing et du data model et de l'enrichissement. Avant de parler de l'enrichissement, on va un petit peu s'intéresser à comment les données remontent chez AT Internet pour que vous puissiez comprendre à quel niveau l'enrichissement va agir et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec. Donc en fait, chez AT, c'est assez simple. On a plusieurs moyens pour remonter des informations. La première, celle que vous connaissez tous, c'est le tag first. Donc c'est-à-dire que je vais mettre une valeur dans mon tag et la valeur va remonter dans mon interface. Aujourd'hui, on a un système de déclaration pour ça, donc on déclare des propriétés avant de les utiliser et on va le voir au fur et à mesure de l'année, on va rajouter des nouvelles fonctionnalités et notamment la possibilité de valider des nouvelles propriétés. Une deuxième chose, donc c'est les règles de processing. Donc là, tout le monde n'est pas forcément familier avec ce sujet. Il s'agit en fait de l'outil Data Manager, pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Le principe là-dessus est assez simple aussi. J'ai une valeur qui arrive soit dans le tag, soit dans mon URL, dans ma query string, etc. Et je vais pouvoir créer des règles dessus pour remonter certaines informations. Ici, l'exemple est assez basique. J'ai mis 9 dans mon tag et 9, en fait, ça correspond à la catégorie automobile. Et justement, le dernier point qu'on va vraiment présenter aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau qu'on vient de proposer, qui est l'enrichissement. Donc l'enrichissement, l'objectif est un petit peu différent. Donc je vais pousser un ID dans mon tag. Donc ici, dans mon exemple, c'est un ID utilisateur. Et à partir de cet ID, pardon, je vais renseigner un certain nombre de propriétés. Donc ici, à partir de mon ID utilisateur, je vais renseigner le genre, la ville, l'âge, le type de compte que l'on a, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'informations qu'on peut mettre. Et là, bien sûr, c'est des informations qui sont complètement personnalisées, qui sont propres à chaque organisation. Mais je vais revenir un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Au niveau de ce data model, en fait, il faut visualiser comme si on avait une table chez nous pour stocker la donnée. Et cette table, elle contient deux choses. Un, elle va contenir des colonnes, ce que l'on peut voir ici en bleu, donc des propriétés standards AT Internet. Ça peut être la géolocalisation, l'ID utilisateur, les types de device, etc. Et en violet, les colonnes qui sont personnalisées, donc des propriétés qui sont propres à votre activité, que uniquement vous allez pouvoir voir via AT Internet. Ça, c'est l'aspect colonne. Et après, on a l'aspect ligne. Et donc, chaque ligne correspond en fait à un événement. Donc un événement d'affichage de page, un événement de clic, un événement rich media, un événement sales insights, etc., etc. Donc vraiment tous les événements que vous pouvez avoir chez AT Internet. Et donc si je vous présente ça avant de parler de l'enrichissement, c'est vraiment histoire d'avoir une vue complète pour vraiment comprendre où sont nos informations. Maintenant, comment on gère ce data model? Donc, on a une interface que vous pouvez accéder dès aujourd'hui. Dans cette interface, on peut appliquer plusieurs niveaux de filtres. Donc, me focaliser que sur les propriétés AT, que sur les propriétés custom. Là, je peux sélectionner une propriété. Donc, dans mon exemple, Adblock Tracking, et je vais pouvoir rajouter une description que je pourrais retrouver dans Data Query 3. Mais je vais pouvoir faire aussi pas mal d'autres actions. Je vais notamment pouvoir rajouter ce qu'on appelle des catégories. Donc ça, c'est des informations qui me permettent de classer mes propriétés pour les retrouver beaucoup plus simplement par la suite. Et la dernière chose, c'est que je peux décider de l'afficher ou non dans Data Query 3. Par exemple, si vous faites des tests, vous créez des propriétés au hasard, vous ne les afficherez pas. Et donc la dernière chose, au niveau donc, des filtres, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'aller dans un niveau de précision assez important. On pourrait utiliser les catégories dans le data model pour retrouver nos données. Et là, la première chose qui est importante à noter, c'est que ce soit des propriétés gérées via le tag ou que ce soit des propriétés gérées via l'enrichissement, les deux sont présentes dans votre modèle de données.
Les deux, vous allez pouvoir changer le nom, mettre une description, mettre des catégories, la cacher ou pas dans la Attaque 3 en fonction de vos besoins. Donc voilà vraiment pour la partie présentation du data model. Et donc maintenant, on va se concentrer vraiment dans la partie enrichissement qui nous intéresse à aujourd'hui. Donc je vais reprendre un exemple pour vraiment être certain de bien avoir expliqué, que tout le monde puisse comprendre comment on utilise l'enrichissement. Donc là, moi, j'ai un événement de contact. Ça pourrait être un événement de page, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Cet événement, il va contenir plusieurs propriétés. On a ici le titre de l'annonce. On a la catégorie de mon annonce qui est là aussi quelque chose de custom. Donc c'est moi qui l'ai, mais ce n'est pas Internet qui me le propose en standard. Et je vais avoir donc la notion de user. Donc là, vraiment, l'identifiant de mon utilisateur. Et justement, c'est en utilisant cet identifiant de mon utilisateur que je vais pouvoir créer une sorte de table de correspondance qu'on va avoir chez nous, qui va me permettre de comprendre ben, tel utilisateur, donc ABC123, c'est un homme qui a 36 ans, qui habite à Bordeaux, etc., etc. Donc là, on va vraiment pouvoir commencer à renseigner pas mal d'informations. Juste, quels sont les avantages? Donc en fait, pourquoi j'utiliserai l'enrichissement et pourquoi je ne mettrai pas directement tout dans mon tag? Il y a plusieurs choses. La première raison, c'est qu'on va mettre uniquement l'ID dans le marquage et rien d'autre. Donc déjà, notre tag va être beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus léger, ce qui peut être très important. La deuxième chose, c'est la notion de discrétion. Donc c'est-à-dire que les infos qui sont gérées via l'enrichissement ne sont pas visibles par les internautes. Et ça peut être extrêmement important si vous voulez, par exemple, renseigner des informations de marge. Vous n'avez pas envie de dévoiler à vos concurrents que sur un produit, vous avez 30% de marge, alors que eux, peut-être que pour le même produit, ils ont quelque chose de complètement différent. Ça, c'est une chose hyper importante. On veut être discret là-dessus. La deuxième chose, c'est un petit peu pareil. Si on parle de catégorie utilisateur, si on classe peut-être les utilisateurs en fonction de leur habitude, on n'a peut-être pas envie de leur montrer dans quelle catégorie de visiteurs on les a placés. Et donc là, à ce moment-là, on va pouvoir parler de discrétion. Juste une petite parenthèse là-dessus. Quand on parle de discrétion, je ne vais pas forcément aujourd'hui rentrer dans le discours RGPD complet, mais toutes les propriétés générées via l'enrichissement ont exactement les mêmes contraintes d'un point de vue loi, d'un point de vue RGPD, que si elles étaient envoyées via le tag. Donc là-dessus, ça ne change rien pour vous. Vous avez besoin de gérer de la même façon la privacy que si c'était dans le tag. Et la dernière chose, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible mais qui va l'être bientôt, c'est que un autre avantage, c'est qu'on va rattraper les données sur la journée en cours. Donc je prends un exemple, à 8 h du matin, j'ai un article que je publie sur mon site, mais pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas encore renseigné l'auteur de cet article. Ce que je vais faire, c'est que à 10 h, si j'utilise l'enrichissement pour dire ben voilà, mon article, c'était tel auteur qui l'a réalisé, ce qui va se passer avec l'enrichissement, c'est qu'on est capable de remonter les données et de savoir qu'à 8 h, c'était déjà tel auteur. Chose qui est impossible d'un point de vue tag, puisque d'un point de vue tag, une fois que la donnée a été envoyée, on ne peut plus la retraiter, on ne peut plus la modifier. Et donc ça, c'est un avantage qui est hyper intéressant quand on parle de l'enrichissement. Une petite démo. Donc là, j'ai pas d'enrichissement, j'en crée un nouveau. Je vais pouvoir renseigner un nom qui va juste me permettre de le retrouver dans mon interface. Je vais sélectionner un template, dire ben moi c'est un enrichissement CRM. Je vais pouvoir choisir si c'est sensible à la casse ou pas. Et une dernière chose, c'est que je vais pouvoir créer des alertes. Donc si je reçois quelque chose en erreur, ben, je vais envoyer un email aux personnes que j'ai sélectionnées. Après, je vais passer vraiment à la configuration. Donc là, moi, j'ai sélectionné une seule propriété pour l'exemple qui est l'âge, mais je pourrais en sélectionner jusqu'à 99 sans aucun problème. Je sauvegarde et maintenant, comment je vais pouvoir renseigner mes informations? Il y a deux choses. C'est soit j'utilise une API, donc j'ai une API qui est à disposition que j'appelle pour rajouter des lignes, ou alors j'ai un SFTP ou un import manuel où je vais pouvoir pousser un fichier CSV qui va contenir la liste de mes utilisateurs avec les valeurs qu'ils doivent avoir pour l'âge, pour le sexe, etc., etc.
Donc, vous pouvez le voir, c'est assez facile. Il y a très peu de choses à faire pour mettre en place un enrichissement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant que j'ai créé mon enrichissement, donc moi, dans mon exemple, je ne suis pas allé jusqu'à l'import de données, mais j'aurais pu vous montrer comment importer un fichier CSV. Mais une fois que j'ai importé mon fichier, en fait, c'est en temps réel. Donc, il faut quelques secondes à quelques minutes de propagation du fichier. Mais c'est vraiment hyper rapide. Vous n'avez pas besoin d'attendre le lendemain ou d'attendre une semaine pour que vos informations nouvelles soient prises en compte. Et donc là, ça marche autant pour l'ajout de nouvelles lignes ou pour la mise à jour de certaines lignes. Donc là, il y a une petite question juste sur l'API. Est-ce qu'on peut avoir de la sécurisation OAuth 2? Alors en fait, l'API, pour au niveau de la sécurisation, je vous ramènerai directement à la documentation qu'on a aujourd'hui sur nos autres API, puisque c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que désormais, on va recommander obligatoirement d'utiliser donc des clés dans les appels et donc ne pas avoir une authentification à base de mots de passe qui est le même que votre compte. Mais là, c'est pareil, on pourra vous envoyer donc tous les articles dans la suite pour voir le niveau de sécurité que l'on a au niveau de l'API. Si on continue un petit peu sur la présentation, dès aujourd'hui, on peut déjà vous activer l'enrichissement et ça vous permettra de faire deux choses. La première chose, c'est ce que je viens de dire dans mes exemples, donc c'est vraiment l'enrichissement CRM, donc de pouvoir à partir d'ID utilisateur renseigner des informations. Et la deuxième chose, donc c'est des enrichissements qui sont liés à la mesure audio et vidéo, à la mesure de produits. Et donc là, ça va être lié à nos produits AV Insight et ces insights. Donc, si vous les utilisez déjà, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse mettre en place cet enrichissement. Ça, c'est ce qui est dispo aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on travaille, que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. On a notamment un enrichissement de campagne qui sera fonctionnel. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on aura la possibilité donc d'enrichir des données de la journée en cours. Donc, l'exemple d'un article à 8 heures qu'on met à jour à 10 heures. Mais justement, on a besoin en fait de ce développement qui est en cours de finalisation pour pouvoir s'occuper de l'enrichissement de données de campagne. Et donc là, ça nous permettra, par exemple, de nous connecter avec un ad server et de pouvoir récupérer toutes les nuits les coûts de nos campagnes et de les afficher dans nos interfaces. Et le tout dernier enrichissement qu'on va proposer, celui-là, il va même aller encore un petit peu plus loin, où on va être sur un enrichissement qui est entièrement personnalisé. Et donc là, vous pouvez vraiment enrichir ce que vous voulez à partir des propriétés de votre choix. Donc nous, on a donné l'exemple de contenu audio-vidéo, de produits, de campagne et de CRM. Mais si vous avez, vous, des produits spécifiques avec lesquels un enrichissement peut être intéressant, vous aurez la possibilité de l'enrichir. Et donc voilà ce que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui. Donc c'était vraiment comment créer et quel était l'intérêt d'utiliser l'enrichissement. Maintenant, on va pouvoir échanger un petit peu si vous avez des questions à ce sujet. Et je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. On va notamment avoir sur une fois qu'on a enrichi nos données, où est-ce qu'on va pouvoir récupérer nos données? Ça, c'est assez facile. Vous avez toutes vos données qui sont disponibles dans Data Query 3. Et en plus de ça, on va avoir le croisé avec dans Sales Insight et dans Heavy Insight qui nous permettront d'accéder à ces données. On a une autre question sur le SFTP. Alors en fait, ce qu'il faut savoir sur le SFTP, c'est que vous pouvez nous pousser des informations en continu. Donc, vous pouvez par exemple pousser un fichier tous les jours, toutes les nuits. Ou même un fichier toutes les heures ou toutes les 2 heures. Là-dessus, c'est vraiment une fréquence qui va être à gérer un petit peu par vous sur ce qui vous arrange. Nous, on est assez flexible à ce niveau-là. Et donc, que ce soit pour le SFTP, même l'import dans l'interface, si on a envie de faire
d'aller tous les jours dans l'interface pour rajouter un nouveau fichier, on peut aussi le faire. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous laisser encore quelques instants si vous avez des questions. Juste pour parler quand même de l'activation. Voilà, donc si aujourd'hui, bah, vous avez envie d'activer l'enrichissement, c'est très simple, c'est soit vous contactez vos contacts habituels chez AT Internet, ou alors vous pouvez aussi passer via le centre support pour demander à ce qu'on active l'enrichissement. À partir de ce moment-là, vous verrez l'interface qui vous donnera la possibilité de créer des nouveaux enrichissements et vous pourrez mettre en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui pendant ce webinaire. Du coup, il y a une autre question sur l'enrichissement. Est-ce qu'il peut être utilisé dans les segments? Alors, en fait, s'il y a un enrichissement qui est déjà créé aujourd'hui, vous retrouvez les propriétés dans Data Query 3 et vous pourrez les utiliser dans des segments et plus tard même dans des métriques personnalisées. Vous allez vraiment avoir exactement le même niveau de fonctionnalité que si c'était que si c'était une propriété passée via le tag. Donc une question sur l'API, sur son fonctionnement. Est-ce qu'on peut avoir un appel à ma ressource user ID? Sur chaque user, il faut un appel à la ressource. Alors en fait, au niveau de l'API, on va nous mettre à votre disposition un endpoint donc, vous allez pouvoir utiliser. Et après, dans ce endpoint, vous allez pouvoir nous passer les infos via un JSON et donc du coup, dire l'ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà ses valeurs. L'ID 2, 3, 4, 5, voilà ses valeurs. Et c'est vraiment un endpoint qui est chez nous. Et vous avez juste créé une routine qui va appeler notre endpoint à chaque ajout de nouveaux visiteurs ou à chaque modification d'informations d'un visiteur. Mais du coup, vous pouvez quand même créer des batchs d'appels qui contiendront plusieurs informations. Alors, est-ce qu'on peut expliquer la différence entre les propriétés à portée événement et portée visite? Alors, on peut expliquer dans les grandes lignes. Pour l'instant, on n'aura pas forcément la vision complète. Enfin, vous n'aurez pas accès encore à la vision complète. Mais en fait, on a les propriétés événement. Si je prends l'exemple de la géolocalisation et que je suis en déplacement. Donc, si je pars de Bordeaux en train, au début, je vais commencer à Bordeaux. Puis plus tard, ma géolocalisation, elle va changer et peut-être qu'elle va passer à Paris. Et donc là, on va avoir deux choses. C'est soit ma propriété, elle est au niveau de l'événement. Donc on aura au début Bordeaux, puis ensuite Paris. Soit elle est au niveau de la visite et on va garder la première valeur au cours de notre visite. Est-ce que l'enrichissement est rétroactif? Alors pour l'instant, dans quelques semaines, on va pouvoir fournir ce qu'on appelle la rétroactivité à la journée, donc la journée en cours qui sera recalculée. Et plus tard, donc ça c'est courant de l'année, on va aussi proposer une option qui nous permettra de récupérer des données sur l'intégralité de notre historique et donc avoir une rétroactivité qui sera complète. L'enrichissement par SFTP, est-ce que le refresh se fait une fois par jour ou pas? En gros, en fait, dès qu'on reçoit un fichier sur le SFTP, on va le traiter et on va l'importer dans nos interfaces. Donc, à l'arrivée, soit vous poussez le fichier une fois par mois, et donc, ou par jour ou par semaine, peu importe, et du coup, on mettra nos données à jour uniquement à ce moment-là. Soit c'est en continu au cours de la journée, donc toutes les heures par exemple. Et là, du coup, à chaque heure, on va mettre à jour nos bases de données. Voilà, il y avait juste une autre question sur l'enrichissement par API. Dans le cas où l'API est gérée par un prestataire, donc là, il faudra voir. Après, on pourra donner aussi les documentations. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Il va y avoir une partie documentation de l'enrichissement dans notre knowledge base qui va arriver très prochainement. Donc, soit ce sera aujourd'hui, soit ce sera demain que les articles vont être disponibles
dans notre knowledge base. Et donc là, il y aura quelques explications sur comment utiliser l'API. Et du coup, je pense que ce qui est le plus simple, c'est peut-être d'envoyer cette doc à votre prestataire, voir si lui, derrière, il peut le gérer ou pas. Et s'il a quelques problèmes, à ce moment-là, on pourra voir avec ce prestataire-là pour adapter nos appels. Voilà. Alors, je regarde, il y a quelques autres questions dans la partie conversation. Alors, est-ce qu'il est possible de récupérer le support visuel de la présentation? Oui, tout à fait. On va vous l'envoyer dans la lancée. Dans la bêta de DataQuery 3, on voit parfois des dimensions métriques en doublon. Est-ce lié à la bêta? Alors là, je n'ai pas forcément de vision là-dessus. Ce n'est pas forcément normal de voir les mêmes choses en doublon. Du coup, n'hésitez pas à faire un ticket au centre support si vous avez des doutes là-dessus. Et y a-t-il une limitation sur le nombre de lignes sur les imports via CSV? Non, il n'y a pas forcément de limitation à ce niveau-là. Et oui, alors il y a juste un doute aussi dans les questions. C'est tout à fait ça, hein. C'est bien au client d'appeler notre API et pas l'inverse. Très bien, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, de toute façon, si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à contacter notre centre support. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et n'hésitez pas à revenir à nos webinaires. Au revoir.